Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Méfant, on se retrouve pour une autre sneak peek Brawl Stars. Regardez-moi ça, regardez-moi tous ces skins, regardez-moi ce compte incroyable, un compte de démonstration fourni par Supercell, les copains. Donc je vous invite à mettre 10 000 pouces bleus tout de suite si vous voulez voir toutes les infos sur la mise à jour dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo. Donc vous mettez la notif et la petite cloche. En fait, la petite cloche pour avoir la notif. Voilà, restez abonné à la chaîne hein, parce qu'il va y avoir du lourd. Donc des pouces bleus, des abonnements, on fait la fête parce que regardez-moi ça, c'est incroyable. Et vous voyez, en plus, c'est marqué duel. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses dans la vidéo. Restez jusqu'au bout parce que on va montrer tous les skins, on va tester ce nouveau mode de jeu qui est, je pense, très sympathique, j'allais dire incroyable, mais ouais, il est incroyable, ouais, et franchement, il est très bien. Donc voilà, beaucoup de potentiel dans ce nouveau mode de jeu, vous allez voir. Et je vous invite du coup à mettre le code créateur BF dans la boutique, vrai, fait que la pas sauter, parce que tout ça, il y en a qui vont mettre des sous-sous pour soutenir, parce qu'ils sont déjà des skins, ils sont trop beaux. Voilà, donc on est parti, on commence tout de suite avec le skin de Beau, oh oh oh, hein, voilà, avec un Père Léon, un Père Noël, voilà, 79 j'aime les potes, hein. 79 j'aime, c'est pas très cher, ça sera disponible à partir du 16 décembre dans vos shops, dans tous les magasins, j'allais dire dans les bacs et tous les copains, non c'est pas un CD, mais bon, voilà, donc on va l'essayer tout de suite, bien sûr, voilà, voir un petit peu ce que ça donne avec les effets, tout ça, on est friand de ce genre de choses, et puis comme c'est un skin saisonnier, ça veut dire que si vous l'achetez pas cette année, il reviendra l'année prochaine, mais il y en aura pas au mois de juillet. Ok, les flèches, cette idée, c'est des flèches avec une étoile au bout, non? Ouais, ambiance sapin, tout ça, ok, les mines c'est comment? Juste on les voit par terre. Ah, c'est des cadeaux. Ok, très bien. On va voir les explosions. Voilà, du coup, le totem. Le totem en bleu. Ok, je crois que ça change pas trop d'habitude. Voilà, très bien. Bon, après, on va peut-être charger plus facilement quand on fait ça. Voilà, on va mettre les mines d'abord, voir un petit peu les explosions des mines. Voilà, et puis vous allez tout simplement mettre une note sur 10 dans les commentaires. Enchaînement avec Spike la bûche, regardez-moi ça. Spike la bûche, 49 gemmes, une bûche, un log de tout droit sorti de Clash Royale. Regardez-moi ça, 49 gemmes, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme le Squeak Fantôme qui était à 49 gemmes, qui est incroyable. Regardez-moi ça, oh, il envoie une bougie. Il envoie une bougie log, oh là là, faites voir le super. Oh là là, c'est trop beau, regardez-moi ça. Regardez-moi tous les effets qu'il y a dessus. C'est splendide. Il est très beau, hein. Oh, il est si peu cher. Ah, mais il faut avoir Spike aussi, hein. Oh là là, il lance un gâteau, hein. Il lance une bûche, je crois. Hein. En fait, il lance la bûche, hein. On est d'accord, c'est la bûche qu'il lance. Ouais, je crois que c'est la bûche, hein. Oh, elle est trop belle, hein. Ouais, attendez. Eh, on s'en lasse pas, hein. On a envie de spammer, hein. Vas-y. On a envie de trop spammer. Pareil, une note sur 10 dans les commentaires. Et j'ai envie de même dire une note sur 10 pour le rapport qualité-prix, les copains. Alors, oh là là, l'effet. Oh l'effet, oh le traîneau, oh il sort de son traîneau, le griffe en traîneau, voilà, 149 gemmes. Voilà, alors lui il viendra le 20 décembre, et je vous ai pas dit, mais le petit Spike il viendra le 22 décembre. Alors je vous fais peut-être pas dans l'ordre de la sortie, mais en tout cas, voilà, on va tester ça. Ok, donc voyons voir, donc un peu de dorure, tout ça. Oh, ça jette quoi, des boules? Ça jette des... ouais, c'est des boules qu'on met sur les sapins, quoi. Hein? Un peu toutes les couleurs, voilà, très joli. Oh là, purée, attendez, son... ton ulti, il a changé ou quoi? Oh là là, ça fait des... c'est des étoiles aussi ou c'est des... ouais, c'est des étoiles. C'est des étoiles. Très joli. Très joli. Voilà. La tirelire, elle est bleue. Elle explose. Elle explose normal. Ok. Là, on le refait un coup d'étoile. Voilà, c'est très bien. C'est très beau. Mais du coup, moi, personnellement, rapport qualité-prix, je préfère le Spike. Mais je vous influence pas. 79 gemmes, c'est le prix à payer pour avoir cette Jackie cadeau express. Regardez-moi ça. C'est très travaillé ça aussi, hein. Très beau skin, incroyable, on le teste. Voilà, alors c'est beau, hein. C'est beau, il y a du détail. Et on va voir ici. Oh, oh ça alors, l'étoile de neige. Waouh. Oh, l'effet est splendide. Oh, l'ulti. Oh là 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 là. Ah, je peux pas, c'est trop beau, c'est trop... ah, c'est trop de visuel. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. C'est magnifique. Non, ce tarif, 79 gemmes. Bon, peut-être ça peut changer. Hein. Mais en tout cas, si ça change pas... ah, oh, c'est trop beau. Oh. Ah, il est incroyable. Alors là, l'effet visuel, pour moi, lui, c'est le meilleur. Hein. 12 sur 10, là. Ah, c'est 12 sur 10 en effet visuel. Regardez-moi ça. Autant le Spike, il est... ah ouais, non, vraiment. Ah oh, non, il est quali, le skin. Hein. Encore une fois, j'influence pas. Mettez-moi une note en commentaire. Bon, alors, le nouvel an lunaire, c'est le nouvel an lunaire ou comment ça se passe? En tout cas, on va passer avec du skin de l'année du tigre. C'est peut-être pas le nouvel an lunaire, c'est le nouvel an, comment ça s'appelle? Je sais pas, vous savez. En tout cas, c'est El Tigro, voilà.
Donc le tigre, bah, c'est l'année du tigre. C'est, peut-être c'est l'année du signe astrologique chinois. Non, c'est ça. Peut-être c'est le tigre cette année. Du coup, ça donne ça. Du coup, vous en pensez quoi? Il est pas mal, non? Alors la question, c'est est-ce qu'il va valoir ses... Ah, joli. Ouais, non. C'est 149 gemmes. Parce qu'il a 149 gemmes. Voyons voir. Attention. Joli jump. Ah, il y a de l'effet un peu disco. Il y a de l'effet un peu disco. En fait, c'est tigrou disco. On va aller regarder ça de plus près là-bas. Hein, on va aller tout de suite taper du bot en profondeur. Attention, j'arrive. Ouais. Alors, ça se voit pas spécialement là. Si, si, ça se voit un peu. Ouais, c'est bling bling. Il y a un côté bling bling. C'est tigrou disco. Voilà, une note sur 10 en commentaire. Edgar Orochi. Orochi. Je sais pas comment dire. En tout cas, il a des espèces de double dragon comme ça. Il est incroyable. Alors, il me met un peu le... Comment dire? Il a l'air pas bien parce qu'il a le visage tout pâle. Je me dis qu'il a peut-être la nausée. Hein, voilà, c'était le seul truc qui m'angoisse un peu dans ce skin. Sinon, c'est quand même ultra badass. Et on partirait sur un 149 gemmes à nouveau. Oh. Ça envoie des petits dragons, là. Ça envoie des têtes de dragons, ça, non? Ok, très bien. Attention. Le jump ici, ça fait quoi sur... au sol? Ouais, non, c'est difficile. Ouais, il est quand même mieux qu'un... Je sais pas. En tout cas, il est flashy, hein. Il est vert et rose quand même, c'est ultra flashy. Bon, c'est deux couleurs qui se marient bien, hein, ça on le sait. On y va, on va taper là-bas, juste pour voir s'il y a d'animation qu'on raterait un peu. Non, hein, on va se mettre de côté, peut-être ici. Attendez, je regarde. On voit bien quand même les têtes. Il y a des têtes de... Ouais, c'est des têtes avec la bouche ouverte, tête de serpent qui passe comme ça. Bon, c'est pas mal. 149 gemmes, toujours, pour un bar tabac éméché. Voilà, il est incroyable. Hein. Oh, l'animation, regardez-moi ça. C'est ambiance kung-fu et tout. Il est splendide. Oh, là, on a vraiment un des plus beaux skins de Barley encore, enfin, à mon goût. Alors peut-être là, alors sur le visuel, ah, les effets, ah, il y a un effet, c'est marrant quoi, ils nous font, moi, je trouve que c'est un effet disco en fait, ce côté flashy un peu rose bleu là, comme ça, qu'ils nous font là, mais un peu néon, il y a un effet néon, voilà, alors on va voir de l'ulti là-bas, j'en reviens ici, juste pour voir, parce qu'on verra, ah ouais, on voit bien les bouteilles, on voit bien au sol, ah ça rend bien, ah ouais, ça fait PlayStation, il y a les triangles, les machins et tout, ah ouais, c'est genre console quoi, ça rend quand même pas mal, ah ouais, ouais, le rangé pas mal. C'est pas du niveau du Jackie de tout à l'heure, mais c'est quand même très appréciable. Ouais, ni ta ni en. Hein. Regardez-moi, ça c'est un skin de ouf. Hein. Ça c'est un skin de ouf. Et ce skin de ouf, vous pourrez l'avoir gratuitement. Ça serait le nouveau skin de Coupe Star. Hein. Voilà, là ça donne envie de faire de la Power League. Hein. Oh là là, il est beau. Waouh, c'est du Ryu Ayuken là. Ah ouais. Ah c'est beau. Ah, faut voir l'ourson, on est prêt là. On est prêt ou on n'est pas prêt? Je crois qu'on n'est pas prêt. Hein. Ah ouais, je crois qu'on était clairement pas prêts. Oh, il est tellement beau. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça, comme il est ultra stylax. Oh là 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 là, combien vous allez mettre? Attendez, je vais péter lui. Et après, on va le voir quand ça descend. Regardez-moi son visage avec son masque rouge. Oh là 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 là. Bon, je sais pas, les copains, je sais pas, mais il va falloir faire une note quand même qui va être assez salée. La Major Rosa. Major Rosa, c'est bien. Major Rosa, ça sera le skin qui sera disponible le premier tiers, le premier palier du futur Ball Pass. Regardez-moi ça. Eh, hey, c'est pas mal. C'est une bonne bouille. C'est une bonne bouille. Ça met des bonnes. Ouais. Alors, on a toujours des effets bleutés. Je sais pas pourquoi ils sont à fond sur. C'est coup de poing américain, non? On dirait. Hein. On dirait du coup de poing américain. Ok. Transformation. Oh! Oh. Ah, j'ai été qui chaud. Ok, le gazon, il reste du gazon. Mais par contre, j'ai été choqué. Attendez, je crois qu'il faut que taper du... Attendez, je vais aller là. On est prêt? Attendez, je vais le faire en descente. Oh, regardez-moi la flamme. Oh là là, un peu rétro et tout, c'est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est un bon skin. Oh là là, les fées. Oh là là, c'est badass. Ah, c'est ultra badass, j'aime beaucoup, je suis désolé, j'aime beaucoup. Le Dynamite classique, les potes, c'est une version remasterisée du premier Dynamite qu'on avait dans le jeu, voyons voir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va être gratuit pendant la période des Brawly Days qu'on est en train de traverser ensemble. On voit la dynamique, ah bah c'est des dynamites à l'ancienne, voilà. C'est très bien pour aller faire des funny moments avec Dynamite, voilà. Bon, c'est gratuit, donc on n'en demande pas plus, hein. El Corazon, je sais pas ce que ça veut dire El Corazon, mais sûrement un truc en rapport avec la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Il y a des cœurs partout, voilà, il sera disponible pour 49 gemmes. Et puis techniquement, voilà, ça donne ça, voilà, enfin techniquement, voilà. Oh, des petits cœurs. Oh, c'est joli. Oh, il envoie des cœurs. Ah bah, il y a beaucoup de love. Attention ici, ça donne quoi, ça? Un gros cœur ou pas? Non, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas d'effet spéciaux sur ça. Le jeter ici... Tac.
Non, des flammes, ok, très bien. Oh, j'aurais pu mettre des cœurs partout enflammés, hein. Mais bon, c'est 49 gemmes, donc c'est pas très cher. Bon, alors comment ça se passe, ce duel piège du tigre? Voilà, incroyable, le duel piège du tigre, vous avez vu, hein, c'est très beau. Hein. Donc voilà, 1v1, on a une map qui est comme ça. Assembler une équipe de 3 bowlers pour affronter une équipe adverse en duel éliminatoire. Chaque round est un combat de 1 contre 1 et se termine lorsqu'un brawler est vaincu. Gagner 3 rounds pour remporter le match. Pour mettre toutes les chances de votre côté, sélectionnez une équipe efficace. Et voilà. Et attention, trophée de duel, donc moins 1 plus 3, chaque brawler perd un tiers des trophées qu'il aurait perdu lors d'un match normal. Chaque brawler gagne un tiers des trophées qu'il aurait perdu lors d'un match normal. Donc ça veut dire, vous allez voir, en tout cas je vous ai montré le truc. Alors comment ça se passe? On choisit une équipe de 3. Ce que vous voyez là, c'est pas des poteaux, hein. C'est tout ça, c'est tout moi ça. Donc là par exemple, là je peux changer mon skin, ok, très bien. Là, le petit, voilà, Primo, je prends Primo, voilà. Mais admettons que je peux changer mon brawler. Bon là je prends lui, je vais le garder, hein. Mais en gros on peut changer quand on appuie son brawler numéro 1, 2, 3. C'est le premier qui va s'affronter, ensuite le deuxième, le troisième. Je vous montre ça tout de suite en gameplay. Voilà. Bon, on est contre BFA Bot, c'est mon autre moi, mais mon moi version beauté, quoi. Mon autre téléphone. Bon, normalement il joue là, je crois que j'ai le truc. Il joue ou pas? Il joue, ok, très bien. Bon, vous voyez, hop, on est sur une map, tac, comme ça. Voilà, bon, lui il a loup. Voilà, bon, on la win ou pas? Bon, allez, on la win. Voilà, ça on la win, tac. Un round, vous avez vu, c'est un peu comme le truc, sauf que lui, il a ses autres brawlers qu'il a choisi. Voilà. Du coup, voilà, enfin moi de ce que j'ai choisi quoi, mais bon voilà, c'est lui, voilà, je me laisse battre, allez vas-y, voilà, il me termine, du coup je suis terminé, je passe à round perdu, et là du coup j'ai ma Rosa, donc j'ai ma Rosa, voilà, contre son buzz, là, ici, voilà, transformation, bim, voilà, et là, hop, voilà, on dégomme, d'accord, ok, donc voilà, du coup, là il y a 2-1, quoi, il me reste plus qu'un à éliminer, mais je suis avec mon Rosa, mais si je perds ma Rosa, bah, il va me spawner mon El Tigrou, là, hein. Bon, on va peut-être le faire, d'ailleurs, viens me défoncer, il n'ose pas, hein. il est gentil, vas-y, viens, si je mets une patate, je le défonce ou pas, allez, viens, bon, voilà, je me laisse un peu éclater, hein, c'est fait exprès, voilà, vas-y, voilà, très bien, pour laisser un peu de suspense, et qu'on voit un peu le résultat final, donc là, le petit Tigrou, il est là. Alors après, il faudrait que je vous montre un peu aussi, parce qu'il y a la zone qui va arriver. Oui, c'est pas... Il y a une zone. Alors il faudrait que je vous montre un peu. Il est où d'ailleurs? Faut qu'il vienne. Hein. Oui, c'est bloqué, je crois. Oh là, viens ici, toi. Tu vas mourir dans la zone, sinon. Viens ici. Non. Mais merde. Je voulais pas te tuer. Je voulais pas te faire de mal. Bon. Bah ouais, en tout cas, vous l'avez vu. Je voulais vous montrer la zone. Vous avez vu la zone. Bon, vous avez vu comment ça fait? Du coup, par rapport à mes trophées, là, en jouant une partie normale, il y a ma Rosa qui aurait fait un plus 2. Alors pourquoi mon Tigrou il aurait fait un plus 2 aussi? Là, plus 3 mon Spike. Alors je sais pas exactement là, parce que vous voyez, j'ai à 784 TA les deux là. Entre Spike et le Costé, il y en a un qui prend plus 3, l'autre il prend plus 2. Est-ce que c'est en rapport avec le nombre de wins qu'il a fait parce qu'il a joué une fois et l'autre non? Ou pas? On peut tester ça. Voilà. Bon. Alors. La question c'est si on gagne full Nita. Bon, allez, on va y aller. Bon, après, il y a des beaux skins derrière, mais bon. Vas-y, viens ici, toi. Voilà, tac. Oula, il est énervé. Hein. Oh, il est pas mal. Oh, il est énervé. Ok, très bien. Donc, la question c'est si. Est-ce que ça change au niveau des terres? Je crois pas, hein, en vrai. Hein. Logiquement, c'est. Je crois pas que c'est par rapport au brawler que t'auras joué ou pas. Hein. Je pense que si. Allez, hop. Oh là là, oh là là. J'ai failli mourir là. Je me fais martyriser par le bot, on est d'accord. Ok, bon, il est vraiment bot hein, celui-là. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus bêtes dans ce mode de jeu que les modes normaux, hein, ces bots. Hein. Ok, bon, il reste encore un. Oula, en plus c'est un stou, c'est quand même pas mal. Sur un V1, c'est quand même un bon brawler. J'aime beaucoup l'environnement, hein, dit au passage. Voilà, il troll un peu, moi aussi. Et il va, vous avez vu, il va chercher des coins. Pourquoi il va chercher ce coin-là? Aïe. Oh, il m'a eu. Oh non. Ah non! Bon, deux matchs gagnés. Retenez, deux matchs gagnés pour Nita. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai un ulti en plus. Et c'est marrant, c'est l'ulti de Nita que j'ai récupéré sur Bo. Là, par contre, il est vraiment. Regardez, par contre, là, il est vraiment pas très intelligent. Il va se prendre la zone. Bon, on va essayer de le tuer avant quand même. Voilà. On le tue avant. Et donc, on va regarder ce que ça donne. Bon, le score. Alors,
plus 3, plus 2, plus... Donc 3... Non, c'est pas... voilà. Ah, si, peut-être. Non. 815. Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est en version de démonstration et que peut-être, voilà, tout n'est pas encore OK et qu'il y a peut-être des petits bugs, des petites choses comme ça. Allez savoir. C'est très possible. Donc voilà, à prendre en compte. À prendre en compte. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et restez abonné parce qu'il y aura des prochains épisodes. À très bientôt. Ciao, ciao.